Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur l'état de la batterie sur iPhone et je vous avais demandé de me donner votre état de batterie au bout de quelques mois d'utilisation. Dans cette vidéo, je vais donc vous communiquer les résultats, je vais vous donner également mes résultats et puis surtout, je vais vous donner quelques trucs astuces dont on avait déjà parlé d'ailleurs euh, lors de cette vidéo pour éviter que la batterie ne se dégrade trop rapidement. Alors ce que je constate, c'est des moyennes évidemment et tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire, mais en gros, sur un an, vous perdez 9% de capacité de batterie, c'est-à-dire euh, qu'au bout d'un an, vous n'êtes plus qu'à 91%. Alors personnellement sur un iPhone 12 Pro, je suis à 94% d'état de batterie au bout d'un an, c'est-à-dire un petit peu mieux que la moyenne, et j'ai mixé en fait des charges rapides. Euh, certains mois j'utilisais quasiment que des charges rapides, et puis d'autres mois quasiment que des charges lentes. Alors c'est évidemment très compliqué à calculer puisque il euh, y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc je vous dis, hein, ça vaut vraiment ce que ça vaut. Mais en gros, ce que j'ai observé, c'est que lorsque j'utilisais la charge rapide, je perds à peu près 2% tous les 3 mois. Alors que quand j'utilisais la charge à induction donc plus lente, je perdais plutôt autour d'un tous les trois mois. Alors en gros, plus vous allez charger vite votre batterie, plus ça va la stresser, plus il euh, y a de chances que la capacité baisse rapidement. Et justement, à l'intérieur des charges lentes à induction, vous avez plusieurs modèles. Alors ici, on a un modèle de base qui charge à moins de 10 watts. C'est un modèle ESR. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Je l'ai déjà présenté lors d'une autre vidéo. Euh, ça va forcément stresser un petit peu moins la batterie que le Maxf, qui peut en théorie charger jusqu'à 15 watts. Alors Personnellement, je dépasse rarement les 11 watts, mais forcément ça va charger un petit peu plus rapidement. Et si vous n'êtes pas pressé, surtout n'hésitez pas à prendre un adaptateur secteur de 5 watts, vous chargerez au maximum à 5 watts avec de l'induction par exemple, et là ça sera encore plus lent, ça sera encore meilleur pour la batterie. Autre cause qui a un fort impact sur la capacité de résistance de la batterie, c'est la température. Alors l'iPhone lui se plaît mieux dans des températures entre 0 et 35 degrés lorsqu'il est utilisé, et lorsqu'il est rangé, vous pouvez aller entre moins 20 et 45 degrés. Donc vous vous l'avez compris, on va éviter d'utiliser l'iPhone lorsqu'on fait du tourisme du côté des pôles, mais plus couramment, euh, bah c'est surtout l'été, lorsque la température est très chaude, on utilise l'iPhone et vous l'avez sans doute remarqué, il a un petit peu de mal à refroidir, donc là c'est vraiment pas bon pour la batterie. Et puis il y a quelque chose qui fait vraiment pas bon ménage, c'est l'utilisation d'un iPhone de façon intensive et de le recharger en même temps. Alors ici, il y a deux cas courants. Le premier cas, euh, c'est lorsque vous êtes en train de jouer un jeu et que vous rechargez en même temps le téléphone. Ça, pour l'état de la batterie, c'est pas top. Euh, et puis l'autre cas, c'est lorsque vous êtes en voiture. Alors, imaginez en plein soleil. Euh, le, donc l'iPhone le, prend tout. Euh, donc ça chauffe encore plus et vous utilisez le GPS. Vous rechargez en même temps. Là, pour l'état de la batterie, c'est vraiment euh, ce qui a de pire. Euh, donc dans des cas comme ça, si vous utilisez souvent le GPS en voiture, euh, vous risquez d'avoir votre état de la batterie qui chute rapidement. On parle maintenant un petit peu de recharge optimisée. Alors, pour rappel, euh, l'iPhone qui connaît vos habitudes de, de, pour vous endormir, pour vous réveiller, etc., va se caler sur ses habitudes pour charger l'iPhone. Donc, ça va charger jusqu'à 80% et puis ça va charger les 20% euh, qui restent au dernier moment. Et le principe reste même si alors vous n'utilisez pas la recharge optimisée. L'idéal c'est quand même de charger la batterie entre 20 et 80%. Donc, là aussi, on en a parlé pas mal de fois sur la chaîne, mais le principe est tout simple hein. plutôt que d'attendre de recharger l'iPhone lorsqu'il est à 0%, rechargez-le dès qu'il est à 20% jusqu'à 80% et pas besoin d'aller jusqu'à les 100% restants. Ça endommage également l'état de la batterie. Alors concernant la batterie, j'ai une question qui est revenue, mais des dizaines de fois cette année, c'est euh, suite à la mise à jour, bah, mon état de la batterie a perdu 2%. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est normal Cette mise à jour est toute pourrie. Alors généralement dans ce cas-là, ce n'est pas la mise à jour qui dégrade en fait l'état de la batterie. C'est tout simplement que l'état de la batterie n'était pas bien calibré, n'était pas optimisé, euh, en tout cas ne reflétait pas la réalité. Et c'est la mise à jour en fait qui a permis ça. Alors il y a eu d'ailleurs des, des mises à jour d'Apple qui ont permis euh, de, de mieux optimiser en fait euh, le, ce, ce chiffre-là d'état de la batterie, notamment sur les iPhone 11, euh, qui ne donnait pas... Qui ne reflétait pas en tout cas le bon état de la batterie. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la recharge sans fil. Euh, autre astuce pour éviter que l'état de la batterie ne se dégrade trop rapidement, si par exemple vous êtes en train de recharger par induction euh, et que votre téléphone chauffe, ça vient peut-être de la coque et généralement c'est pas bon en tout cas pour l'état de la batterie, donc retirez la coque pour la charge. Et puis dernier conseil, si vous souhaitez stocker l'iPhone pendant quelques temps, un petit peu plus que d'habitude, euh, évitez que l'iPhone soit complètement déchargé ou à 100% déchargé, préférez plutôt une recharge à 50% avant de l'éteindre complètement, parce que si votre téléphone n'est pas suffisamment chargé, alors il va passer en décharge profonde et là ça endommagera l'état de la batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'état de la batterie, en tout cas pour éviter que l'état ne se dégrade trop rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur l'état de la batterie, ça permettra éventuellement de faire une autre vidéo dans quelques temps. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.